Chers auditoires, je m'en vais pour raconter une histoire. Celle de la loi, la télépathie, le tapalan juridique. La peau, elle a connu une descente aux enfers. Imaginez-vous, connu de tous, défrayant la chronique, à la tête des journaux, vous avez même votre propre tableau. Oui, c'est la loi. L'ultime expression de la volonté du peuple, on l'a aimée, on s'est battu pour elle. Et aujourd'hui, on la déteste. On souhaite sa mort, on souhaite tout simplement qu'elle n'ait jamais existé. Mais revenons à la genèse de cette télévision aux enfers. La belle, elle était pleine de bonnes intentions, mais malheureusement, elle s'est alliée aux mauvaises personnes. Pas assez drôle, pas assez beau, pas assez talentueux, pas assez intelligent. Voilà le profil de ces contrats. Et de cette union malsaine sur les lois Macron, les lois de Murat et la plus néfaste. Celle qui va créer un trouble sans précédent dans notre groupe de droit du travail, la future loi est en vie. Mais les séries ne s'arrêtent pas là. Une organisation maléfique a secrètement envie de tuer la loi. Elle s'est érigée comme l'ennemi du juré, notre très belle et très. Très belle, simplement. Oui, j'ai nommé l'Union européenne. Elle impose à notre très chère loi centaines et centaines de directives à transposer. Et celle-ci ne se plaint jamais. Le fait est soumise et ne récolte aucun lauréat. Mais le politique, celui qui a signé son navet saint pour les enfers, a été assassiné le 10 février 2017. Et alors que le cataclysme a été annoncé depuis longue date, ce cataclysme qui allait mettre en pétrin tous les étudiants de L2, j'ai dénommé la réforme du droit des obligations. Oui, celle-ci, elle détruit le fondement même de toutes nos réflexions. Adieu, 1134, tout le fond dans nos cœurs. Adieu, la cause, l'éternelle incomprise. Adieu, tout le fond dans nos cœurs également. Une catastrophe sans précédent. Annoncée par quoi ? Une ordonnance. Le plus grand attentat qui a été fait à l'un des fondements du droit, le droit des obligations, a été fait par une ordonnance. Humiliation totale pour la loi. Humiliation totale. C'en est fini pour elle. Elle est passée du côté obscur de la force. Et oui, humiliée, marginalisée, abusée. Maintenant, une vengeance féroce l'anime. Et sur qui elle exerce cette vengeance? Sur nous, étudiants en droit. Eh oui, principe, exception, exception de l'exception, qui ne s'applique pas à la première exception, mais qui s'applique à l'exception de la deuxième exception. Donc, sur ne laissez jamais personne vous dicter une conduite que vous n'aurez pas choisie. Et surtout, ne laissez pas ce que vous faites, ce que